C'est une journée comme toutes les autres qui commence pour Clément Rommel. Du pain, de la confiture et cette montre posée sur la table qu'il ne quitte jamais du regard. C'est pour l'heure. T'es moi, je suis à l'heure. Être à l'heure pour se rendre sur son lieu de travail en taxi-bus. Bonjour. Ça va bien ? Atteint de trisomie 21, Clément est salarié du drive d'un supermarché. Désormais en première ligne face à la crise sanitaire, avec l'envie d'être utile. On va être tous, on va être là, tous ensemble pour aller de l'avant. Et il faut continuer à travailler tous les ans et pour les clients. Voilà, moi je veux faire ça. Arrivé sur place, les gestes barrières sont respectés. C'est parti pour 3 heures de travail. 36, 36. Et maintenant, on peut faire le tour pour prendre les produits. La mission de Clément, préparer les commandes des clients. Toujours avec le sourire et de façon exigeante. Pour moi, c'est assez important parce que je ne veux pas rester chez moi enfermé. La deuxième, c'est de travailler ici. Avec des collègues de cravate qui sont super. Et je les adore, voilà. Tu veux un café ? Ouais, très bien. Merci. Top. Je suis Clément. Et d'où le 8 ? C'est notre petite mascotte, je pense. Franchement, heureusement qu'il est là des fois. Les gens, ils ont peur de ne plus avoir à manger. Du coup, c'est vrai que les drives, ça a explosé, on va dire. Et quand on voit Clément arriver avec le sourire, ben, on se dit, ça va aller, quoi. Clément travaille ici depuis 5 ans. À son arrivée, il a fallu s'adapter, l'épauler pour qu'il prenne ses marques. Aujourd'hui, le pari est réussi. Clément, avant qu'il puisse s'ouvrir aux autres, ça a pris quand même plusieurs semaines, plusieurs mois. Maintenant, il est totalement à l'aise avec n'importe quel employé. Même un nouveau employé qui va arriver, Clément, il serait capable de le former et de lui montrer les bons gestes pour le drive, quoi. Travail terminé et temps d'échange avec son éducatrice de l'association Trisomie 21 France. C'est elle qui l'accompagne au quotidien pour lui permettre de travailler le plus sereinement possible et pour encore de belles années.